Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la série des tricotins. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais rien fait là-dessus. J'ai envie de revenir sur les points basiques parce qu'on m'a posé des questions, notamment sur un point qui s'appelle le point zigzag. Donc en fait, c'est ce que je vais aborder maintenant dans cette vidéo. Alors, je vais revenir 2 secondes sur les principes de base du tricotin. Là, je vais travailler avec le tricotin plat long. Donc, qu'est-ce que je vous avais expliqué rapidement qu'avec ce genre de tricotin-là, on pouvait travailler, faire un travail circulaire, c'est-à-dire utiliser la totalité des picots, et dans ces cas-là, on allait créer un tube. On pouvait faire un tricot simple, donc un tricot ouvert, on allait travailler juste avec une certaine quantité de picots. Donc on allait créer une bande. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le travail, ce qu'on appelle le tricot double. C'est-à-dire qu'on va créer une bande également, mais on va utiliser, comme vous le voyez ici, je vais me rapprocher un peu, on va utiliser en fait, on fait un travail ouvert. Parce que la totalité des picots n'est pas utilisée. Vous voyez que mes 2 picots sur les côtés ne sont pas utilisés. Mais on utilise quand même la quasi-totalité des picots pour faire un travail ouvert. Donc en fait, ce point-là, comme je vous ai dit, s'appelle le point zigzag dans certains livres. Dans d'autres livres, il n'est même pas mentionné. Et dans certains autres, on l'appelle aussi le point cotte. Donc je sais pas, vous allez peut-être pas bien voir. Mais c'est un point en fait qui ressemble, voilà, qui nous fait des cottes, donc qui peut nous servir pour faire des cols, pour faire des manches, pour faire plein de choses. Et on peut s'en servir aussi pour faire des écharpes toutes simples, rapides. Ça se monte très très vite. Alors bon, il faut dire que là j'ai une laine qui est quand même volumineuse, mais là vous voyez, j'ai fait peut-être 4-5 rangs maximum et c'est déjà assez grand au niveau du travail. Donc je vais vous montrer comment on procède pour créer ce point-là. Donc si ça vous intéresse, continuez à visionner la vidéo. Alors on va entrer dans le vif du sujet, je vais vraiment vous montrer comment on procède. Donc vous avez besoin de votre tricotin plat. On va utiliser, pour faire ce point-là, je précise, il nous faut un nombre pair de crochets, de picots. Donc, si vous décidez de travailler sur les grands tricotins ou même sur les petits, il faudra toujours utiliser le nombre pair. Donc, en fait, si vous utilisez 3 picots ici, il faudra utiliser 3 picots ici. Donc, il nous faut le tricotin plat, il nous faut le petit crochet, vous commencez à avoir l'habitude de le voir, il vous faut de la laine, je continue à préciser sans froufrou, mais bon, en ce qui me concerne, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et la seule laine que j'avais à ma disposition qui est venue tout de suite, c'était celle-là. Donc, je n'ai pas cherché plus loin, j'ai attrapé celle-là. Et on va commencer. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que ça peut paraître effrayant, mais en fin de compte, c'est simplissime. Donc, je vais vous basculer un tout petit peu pour que ça soit un petit peu plus facile pour moi pour vous montrer. Donc, vous sécurisez votre laine toujours sur le picot extérieur. Comme la dernière fois, pas besoin de faire un quadruple nœud, c'est quelque chose que vous allez défaire après. Donc, un nœud coulissant, un nœud souple, ça va très très bien. Ensuite, vous allez travailler en fait en zigzag. Donc, vous allez tourner votre laine autour de chaque picot, comme si vous faisiez un 8 éclaté. Donc je vais vous montrer. Tac, tac. Et on va le picot en face à côté. Vous voyez, hein, c'est simple. Il suffit de mémoriser. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de sécuriser vos picots avec vos doigts. Parce que là, vous voyez, par exemple, pour une raison quelconque, à un moment donné, je lâche la pression, le fil s'en va et tout se défait. Donc là, vous sécurisez
un point, donc vous êtes sûr que votre laine va pas se défaire tout le long. Ça, c'était une petite astuce en passant. Tac. Bon, là, je vous fais tout le long, hein, mais alors, ici, c'est là que ça devient, c'est le plus difficile en fait. Donc, vous descendez un peu votre projet parce que votre premier rang est fait. On vient de monter les mailles en fait. Donc, vous pouvez descendre le projet. Alors, pour le deuxième rang, on va procéder exactement de la même manière. Mais pour pouvoir procéder de la même manière, ici, il va falloir bidouiller un petit peu. Donc, pour bidouiller un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de tourner comme ça, et que du coup, ici, ben, on n'est pas bien placé, on va tourner donc. Hein, on a notre premier rang qui se termine là. On va aller sur le picot d'en face. On tourne sur le picot normalement. On vient sur le premier. Et on attaque sur le deuxième. Je vous le remontre, je le redéfais. Hop, là, on vient de finir notre premier rang. On est d'accord? Je tourne autour de mon picot. Je reviens en face, je tourne, histoire d'avoir nos deux mailles ici, hein, parce que ça sera le principe. Et on repart comme pour le premier rang ensuite. En fait, c'est juste pour amorcer le fil, pour que le fil soit dans le bon sens, pour pouvoir procéder au deuxième picot. Et là, je me rends compte que j'ai loupé un picot, mais bon, c'est pas grave, c'est et voilà. Donc là, on a monté nos mailles. Donc on a les mailles du bas, la maille du haut. Et bien, ça va être très très simple. Vous allez vous rappeler les tout premières vidéos que je vous avais fait et le principe en général du tricotin, on vient chercher la maille qui se trouve en bas et on la passe par-dessus la maille qui était en haut et on la passe au milieu du tricotin. Donc, et ainsi de suite, donc là je vais vous le faire hein, rapidement pour qu'on puisse repartir sur un deuxième rang. Là, on vient de faire un côté, hop, on tourne le tricotin et on procède exactement de la même manière pour faire l'autre côté. Donc là, je viens de finir en fait mon premier rang. Donc, on descend le projet pour avoir la place de refaire notre deuxième maille, notre deuxième rang. Je tire un peu ma laine parce qu'elle est coincée derrière moi là-bas. Voilà. Et on va procéder exactement comme pour le premier, c'est-à-dire on va tourner autour de nos picots. Voilà, donc là on a de nouveau la maille en bas, une maille en haut, et bien on va reprocéder exactement de la même manière. On va aller chercher la maille du bas, la passer par-dessus le picot jusqu'à ce que vous ayez atteint en fait la longueur de projet que vous désirez. Donc, voilà, maintenant vous savez comment on fait le point zigzag. J'imagine que vous avez continué votre projet à la longueur que vous souhaitez. Moi, je me suis arrêtée là parce que j'ai rien à faire de spécial. Je vais vous montrer maintenant comment on arrête le projet, comment on le termine, comment on le finalise. Et je vais vous montrer une méthode avec un crochet. Alors, je vais vous descendre un petit peu. Voilà. Alors, bon. Comme vous avez pu le constater, j'ai déjà commencé pour voir si ça marchait et si j'y arrivais à peu près. Ça va à peu près en ce qui me concerne. Donc, on va faire comme si c'était voilà, mon projet. Donc, quand vous voulez arrêter votre projet, vous commencez toujours par l'opposé où se trouve votre fil de laine. Donc là, vous pouvez couper votre fil de pelote en fait, hein. Et vous allez commencer à terminer votre projet
par l'autre bout. Donc, je reprends. On a le fil de pelote ici et on vient travailler ici. Alors, le principe va être simple. On va aller chercher la maille qui se trouve sur ce picot-là. On va la mettre sur notre crochet. Ensuite, on va aller chercher la maille de ce picot-là qu'on va mettre également sur le crochet. Et ensuite, on va faire basculer la première maille par-dessus la deuxième maille. Donc, je vous montre. Je vais chercher ma maille de mon picot. Là, vous voyez maintenant, elle est sur mon crochet. Je vais chercher la maille de l'autre picot et je la mets sur mon crochet. Et c'est là que vous allez voir que je suis une véritable quiche en ce qui concerne les crochets. C'est que je ne suis pas capable de le faire d'un beau geste de la main. Donc moi, je fais ça un peu à l'arrache. Vous avez l'habitude maintenant. Je vais chercher la première maille que l'on a mise et je vais aller la passer par-dessus la deuxième maille et la sortir du crochet en fait. Donc on se retrouve avec une maille, pardon, sur notre crochet. Et on va recommencer, on va aller chercher une maille, on la sort du picot, du tricotin, on prend la maille qu'il y avait sur le crochet et on la passe par-dessus et on la sort du crochet. On recommence, on va récupérer une maille qui se trouve sur le tricotin, sur le picot. Donc on a bien la toute nouvelle que je viens de mettre et l'ancienne. On passe l'ancienne par-dessus la nouvelle et on reste avec la nouvelle en fait sur le crochet. Et on va procéder ainsi tout le long pour aller jusqu'au dernier picot. Donc hein, c'est assez simple, c'est pour ça en fait que je me permets de vous le montrer. Parce que si ça avait été plus compliqué, je ne crois pas que j'aurais été capable. Voilà, et donc je vous montre rapidement, on obtient voilà, le petit projet qui se finalise ici. Alors là, vous voyez maintenant, il me reste juste ma maille qui est sur mon crochet et une maille qui se trouve encore sur le tricotin. Donc, je vais attraper la dernière maille. Hop, je sors le tout. Vous allez procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire passer cette maille-là par-dessus celle-là et la sortir en fait de votre crochet. Donc, vous vous trouvez avec une seule maille sur votre crochet et votre bout de laine, de laine. Vous allez passer ce bout de laine dans le crochet, histoire de faire un joli nœud. Voilà. Et votre projet est terminé. Là, vous voyez peut-être un petit peu mieux quand même les côtes dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous voyez, si je vous l'étire, vous le voyez bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous permettra de pouvoir réaliser des créations un tout petit peu plus complexes. Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici là, amusez-vous bien. Bye bye!